Bonsoir YouTube, c'est Valmore333, nous sommes sur D3 Become Human. Et je sais même plus où on en était, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas tourné de D3, donc on va continuer. Alors attendez, je crois qu'on s'était arrêté avec l'Eden Club, il me semble. Ouais, c'est ça, l'Eden Club. Ma relation avec Hank est tendue, nous sommes avec Connor. Il est 1h20 du matin. Allez, go. Il est temps qu'on aille échanger quelques mots. Connor est toujours condamné à marcher, bien sûr, il ne peut pas courir. Hein. En fait, qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai peut-être des trucs à... Qu'est-ce que c'est que ça? Les news. Alors. Attends, on dirait Gaius Baltar. Ah, mais c'est Kamsky. On va le rencontrer, ce monsieur. Les sénateurs américains sont-ils devenus vraiment... Sont-ils vraiment corrompus? Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. Oh putain! Ça, c'est du tremblement de terre. Mister Kamsky. Ses inventions. Il est restructuré. 2018. Ok. Et le tremblement de terre, quand les marchés annoncent la guerre, la bourse perd 10% suite au potentiel conflit en Arctique. En ce moment, c'est plutôt en Ukraine. On va pas se le cacher. Hein. N'hésitez pas à faire pause pour lire, les amis. Alors. Hank Anderson. Très joli le pont de Détroit. Ma veste, elle est buggée? Ma veste. Je l'ai vue. Je venais souvent ici, avant. Ma veste, elle est buggée? Question personnelle. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine chez vous. Oula. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Ma veste, ça serait bien qu'elle arrête de bugger. De clipper. Arrêtez de boire, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant rien. Oula. Pas du genre loquace, hein. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ah, ça y est, ma veste a arrêté de clipper. Tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. RA9, c'est le lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Ouais. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Insensible, rationnel. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Oula. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Neutre. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Ah. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine?
conçus pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Je vais pas mentir, quand même. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Oula! Fais pas le con, Hank! Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Logique. Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Oula, et aurait il est de nouveau tendu. Sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Bon. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Bon, on s'en tire plutôt bien. J'avais pas envie d'avoir affaire à Connor Mark III. Hank a laissé Connor tranquille. Il pouvait nous buter, hein. Il pouvait vraiment être apaisé. Ok, bon. Parfait. Continuons. Petite séquence. Là, nous sommes avec... avec Marcus. Ah, mais on est retourné à l'endroit où il y avait les tags. Recyclage de map. Quantic Dream. Bah alors. Marcus pas content. Bon, après ils exagèrent un petit peu parce que en règle générale t'insultes pas ta voiture autonome parce qu'elle s'est mangée un mur. Hein. Ça a aucun intérêt de toute façon. Ça reste une machine. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà ce que je compte faire. Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Belle tour. Oh là là, il s'est habillé classe pour l'occasion. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Alors... accéder au 47e étage, demander l'accès à la réception. Et j'ai la possibilité de faire d'autres choses aussi. Je regarde un petit peu, je fouille. Monsieur ? Il y a une carte. Je ne peux que aller à la réception. Allons à la réception. Ah mais c'est la même fille qu'il y a au commissariat. Bonjour. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Superviseuse humaine. Comment on pourrait la distraire? Demander l'accès à la réception. Elle, on peut pas lui demander grand chose parce qu'elle va détecter qu'on est un androïde. Lui... c'est un videur. Est-ce qu'on peut pas péter l'hologramme? Alors, qu'avons-nous? Elizabeth Wilson. Née en 99.
Donc elle a 39 ans. Elle a 41 ans plutôt. Attendez. Non, elle a 39 ans, c'est bien ce que je disais. 550 et bah voilà, on va l'appeler. On a son numéro. C'est quand même pas mal d'être Android. Hein. Channel 16, Desk Manager, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Une facture. Adresse du domicile. Ah. Petite chose intéressante à savoir. Qu'est-ce qu'elle fait sur sa fille? Inscrite à l'école Sainte-Rose. Et ben voilà, on a toutes les infos dont on a besoin. Hop. Elisabeth Wilson, j'écoute. École. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille a une fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. C'est une efficacité. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Vite, faut que je me manie. J'ai besoin de ton aide. Ça y est, elle est déviante. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Merci. Prendre l'ascenseur. J'en appelle un nouveau, je vais pas rester avec des humains. L'express. Si c'est tous les deux des express. Comment on fait pour aller aux étages pas express? C'est joli. J'aime beaucoup cette petite moquette. Cafétéria. Accéder à la salle des serveurs. Salut. Des gens qui bossent. À l'antenne. Des rédacteurs. Quelqu'un qui est à l'antenne aussi. Devant un fond vert. Les locaux de BFM. Bon, ils ont pas autant d'argent. Malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Meeting room, ok. Classroom. Serveur. Ça présente les KPI de la semaine. Server room. On y est. Ah, dans les toilettes des hommes. Ils sont où les toilettes des hommes? Tu sais ce qu'il me faut. Donc là c'est la cafette, la zone de pause, putain les baies vitrées, c'est la classe. Hein. Alors attends. Meeting room, c'est un nana, bathroom. On est passé devant tout à l'heure. Studio. Les gens doivent se demander ce que je fais à tourner en rond. Alors, bathroom. Par là. Ok. Juste là. Tout est visiblement prévu. Oh, c'est trop bien les trucs au sol. Ça doit être dans le sol qui est occupé, enfin qui est libre, je suppose.
Ah ah. Tout ça, c'était genre cette petite boîte. Putain, prend pas beaucoup de place. Bon, au moins ici, les androïdes sont plutôt bien traités. Je risque pas d'être démasqué. Trouver l'androïde d'entretien. Je l'ai vu tout à l'heure. Pas être loin. Il est pas là-bas. C'est celui-là. J'ai besoin de ton aide. Il dit ça devant tout le monde. Ça, c'est cool, juste en leur disant ça et en les touchant, hop, direct ils connaissent le plan. Comme les Cylons dans Battlestar. Et ben quoi? Ah oui, faut que je récupère son chariot pour faire genre. Sortie de secours. Je l'ai vue, elle était de l'autre côté. On était pareil avant. Et maintenant, nous, on est plus évolués. Comme les Cylons aussi dans Battlestar Galactica, qui étaient des grippins avant de devenir des Cylons. Et puis des humanoïdes après. La sortie de secours. Personne ne dit rien. Personne ne remarque rien. Surtout que bon, des androïdes humanoïdes, tu vas quand même les remarquer un peu. Tu vas avoir l'habitude de les voir et tout au bout d'un moment. Et elle là et Marcus sont jamais venus dans les bureaux. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Éloigne les gardes de la porte. Hey, tu joues toujours au poker? Je peux aller leur parler peut-être. Ouais, pourquoi? Bonjour. On organise un tournoi dans les locaux. Ça. Quand les machines à café ne fonctionnent plus, les entreprises sont en chômage technique. Nickel. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Verrouillé. On est bon. Alors, vacuum, la découpeuse laser, parfait. La plateforme arrive.
passe de l'autre côté. Pour pas avoir le vertige. Honneur aux dames. Pourquoi on fait pas remonter tout simplement la nacelle? Ah oui, on remarque qu'on risque d'être marqué. Bah là aussi, hein, les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'il y a des androïdes qui grimpent sur les vitres de la tour. Hop. Oh la musique. Support your team. Bon, il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Parfait. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ascenseur de service. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est parti. Ah d'accord. Comme dans GTA V. Pour ouvrir les serrures. Je sais pas où ils se sont procurés ça, mais oui. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Justement. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que Strick fait là? Aucune idée. Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Allez, tu bouges. Pas de conneries, hein? Parfait. Pas de victime humaine, parce que, comme elle dit, la cause est plus importante. Il n'y aura plus de cause à partir du moment où il y aura des cadavres. Diffusion. Pas de victime, hein. Allez, foutez le camp. Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Silence! Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps.
C'est parti. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Justement. Marcus, ton visage. Je l'aurais bien gardé, moi. J'ai rien à cacher. Dis-moi quand t'es prêt. C'est parti. Je suis prêt. Leader. Norse ami, bon, c'est bien. Déterminé. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles, prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Égalité des droits, reconnaissance. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une musique, personne attention. À part entière. Liberté d'expression, fin de l'esclavage. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Droit civique. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Ségrégation. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Droit à la propriété, contrôle de la production. Nous exigeons le contrôle sur les usines de production d'androïdes afin d'assurer la continuité de notre peuple. Pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. C'est joliment dit. On y va! Oula! Surtout que là, ils font pas de quartier, pas de pitié. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Non, 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 on va le secourir. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Allez, allez, allez! Allez, Simon! Bouge ton cul! Putain, il a laissé une trace. Espèce de sac! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. Ça va être compliqué, cette affaire. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Effectivement, en tant que leader... Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Tu vas décider. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Allez, go! Vite, 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 vite! Excellent! Mission accomplished. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ça, c'est beau, ça. Quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes,
cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. La demande que nous leur cédions le contrôle des usines de production d'androïdes semble particulièrement extravagant. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? L'opinion publique est plutôt bonne. Indifférence pour l'instant. Essayons d'avoir de la sympathie. Putain, il y avait toute une liste de choix possibles. Le groupe s'est enfui, mais Simon a été abandonné. Les médias réagissent. Il y avait la possibilité de garder Simon? Je pense pas, non. Laisser Simon sauter. Les médias réagissent. Sur le toit... Jusque là c'est bon. Dans la salle de diffusion, il n'y avait pas beaucoup de choix possibles dans la salle. Neutraliser la sécurité, là il y avait pas mal de possibilités. Verrouiller la porte. Si j'avais pas verrouillé la porte, il y aurait eu des petites choses en plus. Parce que je pense que ça doit être quelque chose qu'on peut facilement oublier. Connor. Nous revoilà dans la tour Cyberlife. Moi, j'aime à penser que c'est au sommet de la tour Cyberlife, cet endroit. Ça fait un peu jardin japonais. Alors, où est notre amie Amanda? Elle est là-bas, je vois. J'ai vu le petit truc jaune. J'aime beaucoup ces chaussures. Je me demande ce que c'est ce truc là-bas. Faudra qu'on aille voir. Bonjour Amanda. Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. C'est à moi de ramer, c'est ça? J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Eden Club. J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Effectivement. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Sincère. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes. Comment tu le sais, ça? Elle a regardé dans la mémoire. Pourquoi ne pas avoir tiré? Inutile. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. C'est pas faux. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Confiant. Je sais que j'y arriverai. Voilà. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Bon.
À chaque fois, c'est un petit peu le contrôle surprise hein, d'aller la voir, elle. Hein. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Alors. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Oh. Ah, chiotte, voilà qu'on a fait plus que ça. Sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Le toit, il y a encore le... probablement le cadavre de Simon. Je vais croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Ça nous aide pas beaucoup. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Qui c'est ça? Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Costard Cravate s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien non plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi, bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Ah, ces petites guéguerres de service. Quel connard. Je serai dans le coin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix. Ils ont dû réenregistrer cette séquence pour tous les choix possibles. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. C'est un peu ce que fait Marcus. C'est l'objectif de cet androïde. Donc il est le seul Marcus à ne jamais avoir vu justement Hera 9 ou à avoir eu à l'écrire ou quoi que ce soit. Avait des complices. Putain, il le voit dans sa rétine, la vache. Une bleue pièce de rechange. Il sait que il avait les yeux verts à l'origine. Série RK. Ah, comme lui. Mais sauf que c'est pas un RK-800, c'est un RK-200. Cadeau d'Elijah Kamsky à Karl Manfred. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y'a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Il lui dit pas. Il pourrait. C'est un RK comme lui. Donc on le connaît son numéro de série maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Les assaillants étaient déguisés. Jusque-là, tout est normal. Le discours a été filmé ici. Ok. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a là-bas? Que dit la vidéo sur... Ah bah voilà! Ils ne sont pas entrés par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras? Ou alors, il y a des complices. Des déviants qui traînent encore. Haha. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Alors, deux secondes, chaque chose en son temps. Semble frais, modèle PL600. Disparu il y a 2 ans. Le déviant a été abattu. Inspecter la salle de diffusion. Je crois qu'on l'a tout inspecté ici, non? Les impacts de balles, ça veut dire que mes collègues ont tiré. Enfin, les collègues de Marcus ont tiré. Connor ? Tu te souviens de moi ? Ah oui ! T'es sur la terrasse. Le flic que j'ai sauvé ! Première mission ! Il a pris la fillette en otage. Il m'a tiré dessus. Oui, je me rappelle. Tu m'as sauvé. Désolé. Vous devez faire erreur. C'est vrai. Ça pouvait pas être toi. Ce Connor a été détruit. Je serais mort sur cette terrasse. Mais Connor m'a sauvé la vie. Même si c'était pas toi. C'était moi, c'était moi. Je tenais à te le dire. J'ai été réparé depuis. Merci. Très cool, ce flic. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? FBI aussi, je suppose. Impact de balles. Calibre 45, fusil d'assaut. Quand ils sont pénétrés, c'est leur tir, bien évidemment. Bon, j'ai tout inspecté dans cette salle. Encore des impacts de balles ici. Fusil d'assaut, c'est quand ils sont partis. Calibre 45. Des fusils d'assaut, c'est pas du calibre 45 en règle générale. Hein. C'est du 7,62 ou du 5,56. Bon, la salle est entièrement inspectée, on est d'accord. Hein. Donc. Moi, je serais curieux d'aller voir Simon, qui doit se planquer quelque part. Ils n'ont pas encore été sur le toit. Ah si, ils y sont. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. PL600. Il a bougé. Il a rampé.
Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. Ils se sont pas plantés. À moins qu'ils n'aient abandonné l'un des déviants. Où est-ce qu'il est, du coup ? Est-ce qu'il l'aurait déjà retrouvé ? Chaussures de maintenance. Ils étaient bien déguisés, effectivement, et on le savait déjà. Seulement 3 déviants ont sauté. Ils vont pas me laisser aller jusque là-bas. Elle nous lâche pas, l'agent du FBI là. Où est-ce qu'il s'est planqué? Et est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que j'ai bien fait de lui laisser l'arme? Trace de sang bleu. Récemment piraté. Pour la bloquer. Ok. Pas fini. Donc il est parti par là. Il a rampé. Là-bas. Grâce à mes sens du Wisher. Il se serait planqué dans cette espèce de container là. Putain, Connor a été. Connor ! Vous devez les arrêter ! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien ! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire péter ! Bon bah c'est parti. Attention. 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 Hop là. On va tout savoir. Jericho, oh putain, on sait tout. Oh merde. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il se suicide ? Connor ! Connor, tu vas bien ? Connor ! C'est bon. T'es blessé ? Je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Tout va bien. Bordel de merde, je t'avais dit de pas bouger! Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande? J'étais connecté à sa mémoire. Quand il a tiré. J'ai tout vu. Je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. J'avais peur. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Pas sur un bout de métal rouillé. Jericho. Oh là là. On sait tout. Alors. Ta 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 ta. Donc, nous avons tendu, confiance, en espérant que ça remonte un peu avec Hank. J'aimerais bien. Jardin dans la tour Stafford. Perkins. Aller sur le toit. Trouver Simons.
Alors j'avais l'autre branche que je connais déjà de Let's Play que j'ai pu voir. En fait, il va justement interroger. Alors je sais pas ce que c'est la toute petite branche qui est là. Mais en tout cas, la branche qui se trouve en bas là, c'est la branche qui amène à interroger les androïdes de la cuisine. Ce qu'on n'a pas fait. En fait, on ne peut pas faire toutes les. C'est impossible de tout faire normalement. Puisque ça, ça amène à une fin, et ça, ça amène à une autre. Connor a été traumatisé. Bon. J'avais la possibilité d'abattre justement l'un d'entre eux qui aurait failli me tuer si je m'étais occupé des androïdes. Donc c'est pas mal tout ça. On se retrouve avec... Ça doit probablement être Kara et Alice... Et Luther. Et bien sûr, on verra ça dans la prochaine session, les amis. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien, et à me suivre sur Twitter, @valmore333. Chers amis, à très vite. Salutations de l'infini. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis ? On est d'accord. Rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis, pas vrai ? Enfin, c'est gentil d'avoir dit oui.